Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera le tag 5 livres en confinement. J'ai été taguée par les colos d'Ali et je voulais vraiment la remercier d'avoir pensé à moi. Ça m'a fait super plaisir d'être taguée et du coup, je fais cette vidéo avec beaucoup de plaisir. C'est une vidéo, je pense, que vous n'avez pas loupée hein, parce qu'on la voit sur beaucoup de chaînes en ce moment et je trouve que c'est une très bonne idée de vidéo et une idée de tag qui a été créée du coup par Melissa Hart. Et voilà, franchement, je trouve que c'est une très bonne idée de voir un petit peu les livres dans lesquels les personnes ont le plus colorié ou alors les livres que les personnes justement auraient aimé avoir pendant le confinement. Moi, ça va plus être comme ça que va se tourner ma vidéo, tout simplement parce que si vous avez suivi mes anciennes vidéos, vous savez que du coup j'étais chez mes parents. Là, je viens juste de rentrer dans mon appartement. Et du coup de retrouver tous mes livres parce que bah, je pouvais pas tout emmener forcément. Du coup il y a certains livres que j'ai regretté d'avoir emmenés, d'autres qui m'ont bien servi et il y en a aussi beaucoup qui m'ont manqué. Et donc là, avec le recul de ceux que j'avais pris et ceux que je n'avais pas, j'ai pu choisir du coup les 5 livres que j'aurais aimé avoir en confinement ou alors qui m'ont bien servi en confinement. De toute façon, je vais vous dire à chaque fois un petit peu mon ressenti, mais voilà. Je trouvais ça intéressant de faire ça comme ça plutôt que de vous montrer les livres dans lesquels j'ai le plus colorié parce que ça revient un petit peu au même que ma vidéo pack. Donc voilà, si jamais vous voulez voir tous les livres que j'avais pris pour le confinement chez mes parents, je vous invite à regarder cette vidéo. Mais du coup là, je vais vous montrer un peu bah, ceux dans lesquels j'ai le plus colorié et puis ceux que j'aurais surtout aimé avoir. Du coup, le premier livre que j'aurais beaucoup aimé avoir et que j'ai beaucoup regretté de ne pas avoir pris, c'est un livre mystère. Donc le seul livre mystère de ce format-là, en tout cas que j'ai, c'est le tome 4. Je l'ai acheté au moment de sa sortie, je crois, donc ça va bientôt faire 2 ans cet été que je l'ai. Je l'ai pas mal avancé, franchement, j'ai fait... Alors si vous voulez pas voir, ne regardez pas et passez un peu la vidéo, hein, si vous voulez pas voir les solutions. Mais du coup, j'ai fait une bonne partie de ceux de la fin, je m'étais avancée pour faire des traits, les contours... Voilà, j'en ai pas mal qui sont faits. Je dois être pas loin de la moitié, je pense. Alors forcément, là, il n'y en a aucun. Mais voilà, j'en ai fait quelques-uns. Et je trouve que les mystères, c'est vraiment, pour le coup, du coloriage détente. On se prend pas la tête, vous voyez. Même si on a des gros loupés comme celui-ci, c'est pas grave, on s'en fiche. Et voilà, moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec les mystères. Et j'ai regretté de ne pas l'avoir pris parce que parfois, j'avais envie de colorier. Mais j'avais pas envie de sortir mes crayons et tout. J'avais envie de colorier au feutre. Où j'avais pas envie de me prendre la tête et ça m'a vraiment manqué. Donc voilà pour celui-ci et je suis très contente de pouvoir le retrouver et de retrouver mes feutres. Et je pense que vous allez le voir dans mes coloriages terminés de ce mois-ci parce que j'ai vraiment envie de retourner dedans. Ensuite du coup, deuxième livre, je triche un peu parce qu'il s'agit pas réellement d'un livre, mais de plusieurs. Enfin c'est un porte-vue dans lequel je mets tous les livres en PDF que j'ai pu acheter et que j'ai. Et c'est vraiment des coloriages que j'ai beaucoup aimé faire pendant le confinement. J'en ai fait vraiment pas mal et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire des portraits et je suis en train de développer une petite passion pour ça. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est vraiment un livre entre guillemets qui m'a beaucoup servi. J'ai acheté beaucoup de PDF aussi pendant le confinement. J'ai pas su me retenir. Du coup, je vais vous faire une vidéo sur tous mes livres en PDF que j'ai. Mais voilà, je trouve que en cette période de confinement, on ne pouvait pas forcément acheter des livres, mais pouvoir se procurer des nouvelles illustrations via Etsy en PDF, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Et j'en ai pas mal profité. Donc à l'intérieur, j'ai du Christine Caron, j'ai du Alena Nazareva, il y a le Zodiac de Mystic Art Mirror, j'ai aussi des livres de... My Color Dream by Moonja. Alors je vous mettrai les liens en barre d'infos, je sais pas... trop quel est cet artiste, mais du coup sur son Etsy il y avait énormément de... Enfin, il y avait tout son Etsy qui était en promotion avec beaucoup de coloriage et du coup avec CC Colo, une colo copine Instagram, on en a acheté plein et voilà, j'aime vraiment trop ce qu'elle fait et du coup bah, j'ai vraiment hâte de colorier dedans. J'ai aussi des portraits comme ça, enfin voilà, j'ai vraiment pas mal de choses et c'est un livre et en tout cas une sorte de coloriage que j'ai beaucoup fait et qui m'a beaucoup plu et il y a vraiment de quoi faire. C'est avec... Il y a vraiment quoi faire. Si vous avez une imprimante à disposition, vous pouvez imprimer à l'infini le nombre de coloriages que vous voulez. C'est même un petit peu moins cher que d'acheter des livres en format classique. Et du coup, bah moi ça m'a beaucoup plu et ça m'a permis de découvrir pas mal d'artistes et aussi de découvrir que j'aimais beaucoup faire les portraits. Ensuite, je vais vous montrer un livre de Rita Berman, mais non, ce n'est pas celui auquel vous vous attendez. Je ne vais pas vous montrer le Petit Bête, tout simplement parce que oui, j'ai beaucoup colorié dedans pendant le confinement. J'ai dû en faire 5 ou 6, quelque chose comme ça. Mais là, ça fait peut-être une semaine et demie, un truc comme ça, que je suis pas aller dedans et je sais pas, j'ai pas plus envie d'aller dedans plus que ça.
Tout simplement parce que j'avais le livre que je vais vous montrer en tête et j'avais surtout envie d'aller dans celui-ci plutôt que dans le Petite Bête, bien que ça reste l'un de mes livres de coloriage préférés sans aucun doute, mais c'est juste que voilà, j'ai fait les coloriages qui me plaisaient énormément dedans, donc là pour le moment je fais un petit peu une petite pause, voilà, même si, si ça se trouve demain je vais retourner dedans, hein. C'est pas du tout que je l'aime plus, mais c'est juste que voilà, comme je l'ai eu pendant 8 semaines à mes côtés et que j'en ai fait pas mal dedans, j'ai envie d'un petit peu autre chose, mais toujours dans l'univers de Rita Berman. Donc du coup le livre que j'ai choisi c'est le 4 saisons, celui-ci je l'avais pas emmené et j'ai regretté mais tellement, parce que déjà il est beaucoup plus gros que le Petite Bête et on a beaucoup plus de diversité au niveau des coloriages, vous avez de tout en fait, vous avez aussi bien des fleurs que des paysages, il y a de tout, il y a des petits oiseaux, enfin franchement il y a de tout et vous avez aussi de toutes les saisons quoi, vous avez des coloriages qui vont être plutôt d'été, des choses qui vont être plutôt d'automne, etc. Enfin franchement vous avez de tout, vous avez du bord de mer, vous avez, enfin il y a vraiment de tout et je regrette de pas l'avoir pris parce que je pense que j'aurais pu bien l'avancer. Et voilà, donc j'ai choisi celui-ci pour cette vidéo. J'ai pas colorié dedans pendant le confinement mais c'est vraiment un livre que j'aurais aimé avoir et dans lequel j'ai envie de colorier maintenant. Donc voilà, ça reste du Rita Berman, c'est toujours la même patte mais... Voilà, c'est vraiment, j'aime trop et ce que j'aime beaucoup sur ce livre là c'est que le papier est carrément mieux. J'adore ce papier, il est un petit peu plus épais et il y a un petit peu plus de grain dessus et je l'aime trop. Cette double page est trop belle. Voilà, je pense que vous avez compris, Rita Berman j'adore et voilà, donc si j'avais pu mettre plus de livres forcément à côté j'aurais mis le Petite Bête mais voilà, pour changer un petit peu et pour éviter de me lasser j'ai vraiment envie d'aller dans celui-là pour le moment donc voilà. Ensuite, les deux prochains livres étaient dans ma pack, donc ça va pas être une grosse surprise pour vous. Mais du coup, en premier, on a le Fairy Tales de Emily Liddell-Auberg. Ce livre, mais je l'ai complètement adoré pendant le confinement. J'ai dû en faire 5 dedans, j'en ai fini un juste tout à l'heure. Et j'adore ce livre. Franchement, je l'aime vraiment trop. Pareil, c'est l'une de mes illustratrices préférées, j'adore sa patte. J'aime trop. Franchement, je trouve ça très très joli. Je vais essayer de pas vous montrer celui que je viens de faire. Je sais plus où il est, mais... pas trop vous spoiler mais ah bah c'est raté mais du coup voilà, j'ai trop aimé ce livre et on peut faire de tout quoi, on peut faire aussi bien des choses très pétantes que des choses beaucoup plus pastelles, on peut, il y a de tout, il y a des personnages, il y a des trucs un peu plus rigolos, je sais pas, il y a vraiment plein de choses, il y a des animaux, il y a des maisons, il y a plein de trucs quoi, c'est très très varié et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce livre. Le papier est top, on peut faire plein de trucs dedans, enfin voilà. J'ai beaucoup aimé colorier dans ce livre-là et il est tellement varié, pareil qu'on peut pas se lasser quoi. Donc voilà pour celui-ci. Et dernier, il s'agit d'un Kirby Rosan. Donc comme le Rita Berman, j'aurais aussi pu mettre son dernier que j'ai vraiment adoré pendant le confinement. J'en ai fait qu'un seul parce que j'ai fait une grosse double page avec Marine Hart à l'intérieur. Et voilà, j'aurais pu le mettre aussi avec, mais bon, comme il ne fallait en choisir que 5, j'ai choisi celui-ci parce que j'en ai fait quand même 3 pendant le confinement. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup avec ce livre, c'est que vous avez que des coloriages d'un côté, vous avez rien de l'autre. Donc du coup vous pouvez utiliser n'importe quel matériel, faire tout ce que vous voulez. Et voilà, bon je vous spoil un peu ma vidéo coloriage terminée mais vous l'avez vu sur Instagram, j'ai fait celui-ci récemment que j'aime beaucoup. Et voilà, je trouve que c'est un livre qui est vraiment top. Et c'est justement dans ce genre de moment où on a beaucoup de temps qu'il est intéressant de se lancer dans des colos comme ça. Parce que voilà, on n'aurait pas forcément le temps ni le courage en temps normal. Tandis que bah là c'est vraiment le moment quoi. Donc à choisir, je préfère quand même son dernier qu'il a sorti, mais c'est celui dans lequel j'ai le plus colorié et c'est celui vers lequel je me tourne plus facilement, bien que je préfère l'autre, mais je trouve que les coloriages sont un peu plus simples à aborder dans celui-ci. Donc si jamais vous aimez bien Kirby Rosan, vous avez envie de vous lancer mais vous avez un peu peur, je trouve que le Fantomorphia est pas mal, surtout que cette édition là qui est l'édition Marabout regroupe le Fantomorphia et le Géomorphia. Vous avez les deux livres en un et voilà, le papier n'est pas extraordinaire mais comme vous avez qu'un seul coloriage et rien derrière, c'est pas hyper grave je trouve. Et voilà, je trouve que on est forcément sur des colos très détaillés hein, mais on est sur des choses qui sont un peu plus faciles je trouve à aborder. Vous avez du plus simple comme par exemple ça ou alors du vraiment plus compliqué comme le premier qui est ici, vous voyez, avec plein d'éléments. Mais voilà, il me fallait du Kirby Rosan forcément, donc ce sera celui-ci.
Donc voilà, j'espère que ma petite sélection vous aura plu. Comme vous avez vu, il y a un petit peu de tout, il y a un petit peu tous les formats, du grand, du plus petit, du moins détaillé, du plus détaillé, du portrait, du mystère, voilà. Je trouve que c'est une bonne sélection. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de Disney, parce qu'en ce moment je suis pas trop dans ma période Disney, à part le Vitro que j'aurais pu mettre dans cette vidéo. Mais sinon voilà, je suis pas trop dans ma période Disney, donc voilà. Je vais taguer une personne, parce qu'en fait il y a tellement de personnes qui ont fait cette vidéo. Il y a tellement de personnes qui ont été taguées que j'ai eu vraiment du mal à suivre entre qui avait été tagué et qui n'avait pas été tagué. Donc si jamais vous avez envie de faire cette vidéo, et bien allez-y, il n'y a aucun problème. Et par contre la personne que j'ai envie de taguer, je ne sais pas du tout si elle a déjà été taguée ou pas, mais il s'agit de Marine Hart. Donc voilà, si tu n'as pas encore fait cette vidéo Marine, et bien pourquoi pas la faire. Et voilà, encore merci au Colo Dali de m'avoir tagué et puis à Melissa Hart d'avoir créé cette petite vidéo qui est ma foi très sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et puis je vous retrouve d'ici peu pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous.